Coucou tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo boîte à lettres. Boîte à lettres de Laurence, donc Créalo et de Maria. Donc en fait sur mon groupe Facebook j'ai découvert qu'on pouvait faire des petits salons, donc c'est des visios qu'on peut faire ensemble. Donc avec Laurence et Maria on a décidé de se faire une petite visio en après-midi, de se faire des ATC coins. Donc voilà, et puis du coup on a décidé de se les échanger toutes les trois. Et c'est bien sympa ces petites visios, comme ça on peut papoter en même temps qu'on scrape, c'est sympa, même si on a été sage, je trouve, l'autre jour. Donc du coup, donc Laurence, t'excuse pas, j'ai lu ton petit mot, t'excuse pas, t'as pas eu le temps de faire de cartes, c'est pas un problème. C'est déjà, tu m'as déjà mis plein de trucs, donc je te remercie. Donc voilà, la petite ATC qu'on a fait en visio, donc on est toutes parties de la même poupette. Et on a fait ceci. Donc... Oui, désolé, c'est les enfants qui jouent à la console. Laurence a fait les fonds au bruchot, si je ne me trompe pas. De la pâte à texture. T'as même fait tout le cercle avec la petite couture, tout ça. J'adore. Alors, le titre, c'est Cool le Scrap. La date, c'est le 10 juin 2020. Donc, c'est la 2 sur 3. Donc, par Créalo. Donc, il y a une chaîne. Hein. Si j'y pense, je mettrai en barre d'infos. Mais bon, normalement, je vous l'ai déjà mis. Faut pas que j'oublie, parce que c'est un peu la course. Donc voilà, c'était celle qu'on a fait en visio toutes les trois. Merci Laurence. Bon, elle s'est pas arrêtée là. Et on a mis une autre. Donc un lien d'amitié, donc très joli, pareil, fait avec un fond patouille, tout un effet couture. Des petites fleurs. Donc celle-ci, c'est Amitié, elle a été faite le 6 avril 2020, c'est la 1 sur 3. Après, j'ai eu droit à une ATC séance photo, j'adore. Elle rentre bien quand même, hein, ces petites poupettes. Faut que je m'en sers des mains, j'ai toujours pas fait. J'ai pas le temps, j'ai plein d'idées d'ATC, de mémodex, tout ça, mais voilà, ben, c'est le temps qui manque. C'est pas les idées qui manquent, c'est le temps. Donc voilà, j'ai fait celle-ci. Donc là, je pense que je sais pas comment t'as fait ton fond. C'est un papier qui était déjà fait ou c'est toi qui as fait de la peinture? Donc on a des petits dots à facettes, là, la petite poupette, donc séance photo. L'ATC, c'est shooting photo, c'est la 1 sur 6, donc par Laurence. Voilà. Après, on en a une sympa, donc fait avec les fonds à bulles, ça. Le petit défi que j'avais dû faire sur mon groupe. Les en rend bien, voilà, juste un fond à bulles et un tamponnage fleur dessus. Des petits dots, des petits strass. Ça rend super bien, je trouve. Pas besoin de colorisation. Donc ces fleurs, c'est le 5-8, elle a été faite le 22-4-2020, toujours par Laurence. Du coup, Laurence m'a mis aussi trois petites attestampes que je vais pouvoir ranger dans mon classeur. Je me suis fait, je vous ai, je, non, je vous ai pas montré, je crois, le classeur attestampes. Je m'étais fait mon petit classeur en suivant le tuto justement de... J'ai pas vraiment suivi, parce que moi j'ai adapté... J'ai adapté, je crois que c'est pas les mêmes mesures, mais bon, ça m'a inspiré. J'ai suivi le tuto de Laurence. Donc, si jamais vous voulez faire un petit classeur, franchement, attestant, je sais plus, je crois que je vous l'avais pas montré. Ça, petit rangement attestant. Donc voilà, c'est fait. Bah, Laurence, elle fait avec des. Ça, c'est les pages qu'on trouve dans les albums photos. Et moi, en fait, c'était toutes mes chutes de. Oh. Quand j'ai fait mes pochettes à tampons, souvent il me restait quand même un bon morceau de pochette plastique et j'ai tout gardé. Et du coup, en fait, dans mes chutes, voilà, je suis venue. Donc, c'est pas tout à fait la même dimension parce que moi j'en range 4 comme ça et 3 dans l'autre sens. Mais bon, du coup, je vais quand même pouvoir venir, je pense, lui mettre un petit papier et puis l'insérer dedans. Donc, je te remercie. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne de Laurence pour faire le petit rangement ATS. Merci Laurence pour tout ça. Puis bah c'est pas arrêté là. Elle m'a mis un petit pochoir. Merci, merci. Celui-là, je n'avais pas, donc c'est cool. Donc j'ai un pochoir comme ça, chevron. Donc ouais, je te remercie Laurence, t'étais pas obligée. Et du coup, bah, moi je trouvais pas la barre action chez nous, c'est le désert. J'ai encore été faire un tour tout à l'heure, c'est une catastrophe. Donc du coup, comme je trouvais pas les feutres à alcool et que Laurence les avait. Je lui ai demandé de me les prendre, donc je vais les rembourser. Et donc, du coup, voilà, elle m'a trouvé tous les feutres, pas colle, les feutres à paillettes. Donc, je suis trop contente. J'ai pas encore eu le temps de les tester. Ça fait 2 jours que j'ai le tout
Non, c'était hier. Oui, hier, je sais, oh, je sais plus, c'est hier ou avant-hier que j'ai reçu le courrier. Mais voilà, j'ai pas encore eu le temps de les tester, donc je suis trop contente. Je te remercie, Laurence, de me les avoir pris. Voilà, donc ça, c'était moi qui ai racheté à Laurence. Et puis, du coup, notre petit échange. Tâté, coin. Voilà. Et donc, après, hop, je vais mettre ça sur le côté. On va passer, du coup, à Maria, que j'ai reçue aujourd'hui. Alors, Maria. Alors, ça, c'est mon petit mot. Je le garde. Hop, je ne vous montre pas. Maria m'a fait une petite pochette comme ça. Papier papillon, un petit strass donc qui vient fermer la pochette. Et donc voilà, on est parti, ce que je disais, sur la même poupette. Là, on a plein de paillettes. On pareil fait un. Alors Maria, je crois que tu les avais fait. Tes fonds. Bah, t'as fait un peu comme moi, je crois, bah, tes fonds. C'était quoi? C'était aux encres, hein. Ouais, c'était fond encre, donc un pochoir avec des ronds noirs, donc pareil, un petit trait couture. J'ai même pas pensé à faire ça sur le mien. Je vais vous montrer le mien à la rigueur après. Voilà, donc amitié, celle-ci, donc c'est titre Lolita Scrap, c'est la 2 sur 3 et elle a été faite le 10 juin, donc par Maria. Merci, merci. Du coup, elle m'a fait la test. Je m'y perds, l'ATC, pareil, amitié, donc assortie, pareil, j'adore. On retrouve la même poupette, je les adore, ces petites poupettes, donc pareil, avec un fond encre. On retrouve du coup le pochoir, tampon, je sais plus, bulle. Donc c'est Lolita Scrap, la 1 sur 2, donc par Maria. Et j'ai la même Widex. J'en aurai deux de toi, mais bon, c'est sympa parce que du coup, voilà, tout avec la même poupette. Le même fond. Là, on a des petits strass. Donc voilà, j'adore, j'adore. Merci. Donc c'est. Voilà, bah, c'est toutes tes infos. Ouais, je les avais vues la dernière fois. Donc voilà, j'adore. Merci Maria. Ici, celle-là. Hop, je vous montre. Et la mienne, je vous la sors, je l'avais rangée. Pardon. Alors. Et la mienne. Voilà. Donc on s'était bien amusé. Je sais pas si on va voir. J'ai testé la pâte. Oh. La pâte de structure pailletée iridescente de chez Stamperia. J'aime beaucoup. On la voit, ça apporte juste une petite touche de paillettes sympathique. Donc voilà. Bah, je vais laisser mon classeur, je vais ranger ça tout de suite. Donc je vous remercie beaucoup les filles. Bah, c'était bien sympa ce petit après-midi. On pourra en refaire d'autres. Bah, pour celles qui ont Facebook et qui veulent nous rejoindre et qui aimeraient faire un petit temps scrap avec nous, vous n'hésitez pas à nous rejoindre. Je mettrai en barre d'infos le nom du groupe. Et puis voilà. C'est tout. C'était une petite vidéo balle, voilà, de notre petite création. Donc du coup, moi, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye!